Bonjour, une centaine de collégiens accrochés à un mur. La salle des Orionnais à Nort-sur-Erdre accueillait le 18 janvier une compétition départementale d'escalade. Les élèves de 5 collèges privés ont participé à cette épreuve organisée par l'UXEL, l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre. Les élèves ont dû faire face à une épreuve de qualification, les 6 premiers de chaque catégorie s'affrontant ensuite sur une voie de finale. C'est sur la base du volontariat, je disais tout à l'heure. Donc ceux qui choisissent de participer à l'AS, c'est quand même un engagement. C'est pas je viens pas, c'est je m'engage à venir sur une activité ou plusieurs activités sur l'année. Donc nous, on finit pendant l'hiver, on finit l'activité escalade et puis ensuite on va passer sur la course d'orientation. En tout début d'année, on avait fait toute une partie sur le VTT, parce que moi je m'occupe beaucoup des sports de plein air. Donc on est toujours dehors, bon, sauf l'hiver où on se met un peu au chaud. Quand il ne fait pas très chaud dehors, voilà. Enfin, aujourd'hui, on a 5 collèges présents. Il y a l'externat des enfants nantais, il y a Anceny, c'est Saint-Joseph d'Anceny, il y a Couéron, et puis il y a la Perverie, et Nord-sur-Erdre aussi. Et les qualités à rassembler quand on fait des escalades, c'est de la pugnacité, c'est vraiment avoir envie toujours de se dépasser, et puis pas laisser tomber devant les obstacles, parce que c'est vraiment un sport qui n'est pas facile. On vit beaucoup d'échecs avant de réussir à finir une voie, par exemple. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment retrousser ses manches et puis refaire jusqu'à y arriver. Donc vraiment ceux qui ont beaucoup de détermination, pas forcément des grosses aptitudes physiques, parce que quelquefois ça peut handicaper par le poids, mais vraiment ceux qui ont beaucoup de détermination, beaucoup d'envie de bien faire aussi, progressent et accèdent au niveau. Là, on a aujourd'hui plusieurs qualifiés au niveau fédéral dans l'équipe départementale. Donc il y en a qui sont déjà sélectionnés, entre guillemets, pour représenter la Loire-Atlantique dans les compétitions de FFME, enfin les compétitions d'escalade. Allez, c'est parti là! Tu sais qu'il faut décaler! Non, autrement, l'escalade, bah, c'est assez facile à pratiquer, parce qu'il y a, ouais, bah, y a beaucoup de murs. Hein, y en a à Couffé, à Anceny, à Nozay, à Blain, les murs sont un peu partout. Il ne faut pas hésiter à aller dans les clubs. Et puis souvent, on se fait prêter du matériel pour débuter. Et puis ensuite, on l'acquiert si ça nous plaît. Ouais. Et à l'issue de cette compétition départementale, les meilleurs dans chaque catégorie se sont qualifiés pour l'épreuve régionale programmée le 4 avril à Cholet.